Alors c'est vraiment un truc ultra facile à faire. Vas-y, Vous deux allez secondes là, mettre votre... y a un fils de pute qui m'appelle. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ouais! Je peux revenir, s'il te plaît? Est-ce que Revenir je peux où? revenir? Dans mon bureau. Non mais c'est mort mon gars, ton bureau Ça je fait l'ai, 15 je l'ai. messages que je te laisse. Où ça tu mets ces messages? J'ai laissé 15 messages, je te harcèle jour et nuit. J'étais en bas de chez toi hier, avec la banderole. Laisse-moi revenir, s'il te plaît, il y avait marqué. Non mais Mary, ça sert à rien, t'es dans ton Maryland là mec, n'oublie pas! Moi, ma Pro League c'est Rainbow Six, toi c'est GTA. Non, je fais plus de GTA maintenant. Ah Bon, un bon? petit peu quand même. Des fois, j'interprète des personnages, mais je peux faire rire, je peux me mettre à poil en live si tu veux. Ça Ouais, peut faire bah marrer, peut-être. justement, tu vois, ça a été un des problèmes hein, qu'on a souvent soulevé, hein, le fait que tu puisses un peu te mettre à poil de temps en temps. Hein, voilà. Parce que j'ai regardé ta convocation tout à l'heure, qui en soi Ouais. n'était pas mauvaise non plus. Bon, l'intervenant, pas ouf, par contre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, bon, ça c'est. Ouais. Mais il manquait quelqu'un avec une perruque, tu vois, Non, stylée. non. Non, moi je trouve qu'il Non? manquait personne. Vous trouvez qu'il manquait quelqu'un, vous, les gars, dans le chat? Hein, les gars et les meufs? Non, 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 non. On est en démocratie, mec. Hein. Si je fais un sondage à l'heure actuelle des personnes qui sont sur le chat, tu vois, moi, non, en règle générale, j'arrive toujours à trouver de façon diplomate les mots qui ne blessent pas, tu vois. Mais ils ont plus envie de voir ta sale gueule, en fait. Ma sale gueule, oui, enfin non, mais t'as vu ta gueule, tête de montgolfière? C'est... t'emmerde. J'ai pas une tête de montgolfière. Alright, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Ma mère m'a demandé, j'ai allé où? Je lui ai répondu, en cours. Bah voilà, c'est ça qu'il faut lui répondre. Tu lui dis, écoute, je vais à l'académie. Elle va dire, mais quelle académie? À la zone d'Yangalmi. La zone d'Yangalmi? Le ça passe toujours. Ok, donc ça, Utility, je m'en souvenais, tu vois. Donc là, tu tombes directement sur la première cam. La deuxième est là, là, là. Pas vraiment de spot kill à part cet endroit-là qui est relou. Mais lui, c'est facile. À chaque fois qu'on attaquera cet endroit-là, à partir du moment où tu viens jouer ici, bon, il y a pas vraiment de play quoi. Cette fenêtre, il faut monter à cet endroit-là. Et pour monter à cet endroit-là, le mieux, ça va être de spawn à cet endroit-là, là-bas. Donc ça, faudra s'en rappeler à chaque fois. Toujours revenir counter cette possibilité de spawn kill. Et derrière, j'aimerais bien voir dans quel sens les planches. Ah, nickel. Nickel. Ce qui veut dire qu'en restant ici, non seulement t'as un counter. T'as une vision sur le spawn kill de merde, mais en plus, tu contrôles le truc qui est en dessous. Ici, du coup. Et c'est vraiment un putain de counter hyper strong en 2 secondes, quoi. Oh, il y en a un à la fenêtre. Oh, c'était pas lui, attends, il y avait un rook en face. Sors toi, t'as envie. Voilà. Franchement, honnêtement, je commence à avoir bien la map en tête quoi. Et comme quoi le fait que... À part, c'est le bas en fait. Le truc c'est qu'à chaque fois les mecs en défense prennent les bombes sites au top. Et j'aimerais bien voir le bas en fait. Y'a un mec dedans. Oh, il va pas me sauter à la gueule quand même. Ah, il était dedans, putain. Tu pouvais pas la tuer la Valkyrie, mec? Elle était juste. Ah, bah voilà, elle était juste là. Oh, putain, là, je suis complètement paumé en revanche. Ouh là 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 là, Sophia, Layla. Est-ce qu'on peut faire péter ça? J'essaie de recaler l'endroit où on était là, mais j'ai du mal là. Ah, la trappe est au même endroit dans la kids du coup. La kids raison. Quoi, y'a un Blackbird là? What? Mec, défonce-le quoi, t'es juste à côté du Blackbird. Was that Blackbird?
Il est où le mec? Oh là là, les mecs ils font des moves de Toto. Le fusil il est forcément par là, voilà. Putain, il est redescendu de l'autre côté quoi. The side door. Oups. Wouhou. Sorry man. Hey daddy. Defender is approaching a kill zone. Defender exposed. Quand il rentre ou quoi? Ah là 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 là. Bah non, il rentrera pas en fait. Bon, ce spawn kill est trop connu maintenant. Limite, si tu restes ici, t'es mort. Voilà. J'ai pas besoin de vous donner l'explication maintenant, vous avez tout compris. Tout le monde le fait, l'anti-truc là. Oh, he's on the roof. Donc là, il n'y a pas vraiment de spawn kill, je pense. Là, les mecs, ils peuvent arriver très rapidement si je suis pas trop con, puisque... Après, je sais pas la ligne. Derrière quel truc il a plus de chances d'arriver le mec. Après, je vais me faire sauter parce qu'il va prendre la ligne, du coup. Oh, je m'attendais pas du tout à cet angle quand j'ai décalé. Difficile là, cet endroit-là. Ouh. Pas difficile du tout. Magnifique ce truc. Parfait. Parfait. Ah. One in the main. La petite rota est propre là. La petite rota est très sympathique hein. Alors comment est-ce qu'on peut deny le truc très vite si je suis pas trop con? Là c'est pas possible, là c'est pas possible, là c'est pas possible. Putain c'est la merde. Ah non, ici du coup. Ok, d'accord, nickel. Donc faudra s'en rappeler à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut s'en rappeler? Il y a les deux machins sur les côtés, on repère vite fait, tac tac tac, on décale et on lui défonce la rondelle. Et lui il part pas, lui il fait rien. Du coup, la ligne à tête renversée, elle doit être pas mal ici. Attends, la porte, elle est où? Non, je vois rien de... Je comprends pas ce que je regarde. Quand tu connais pas déjà la tête à l'endroit... Ok, sexy ça hein. La ligne est grande là, et du coup, est-ce qu'elle va? Attends, elle va pas jusqu'à l'armurerie quand même. Ce bombe site là se défendra plutôt relativement facilement à l'ancienne, hein. Avec une mira ici. Ah non, du coup c'est exposé à ce... Ah. Mais il en restait qu'un en fait. Pourquoi pas un Manditrick? Non, pourquoi pas poser une mira en fait? J'étais en train de réfléchir à la possibilité de poser une mira vers l'extérieur et d'essayer de choper un setup. Donc en gros, les deux setups de mira auxquels je suis en train de penser pour le moment, ce serait de mettre une mira ici. Parce que pas trop mal. Avec une défense du normal, mais pas ici, parce que c'est la merde. Ce qui voudrait dire que tu aurais cette ligne là, qui est très bien. L'autre en fait, c'était sur la défense d'ici. Je pense à mettre une mira là. Et le jouer en double setup, tu vois.
C'est-à-dire qu'en fait, tu baites les mecs au début en faisant un renfort sans Mira, double renfort ici. Et un peu à la manière du top gym de Clubhouse, les mecs vont s'amuser à défoncer ce truc-là. Mais là, derrière, tu te mets une Mira. Après, la ligne sera pétée. Les mecs auront la ligne sur le côté. Ouais, c'est pas ouf. Ah, du coup, j'ai mis 0 Mira, tu sais. Ici, j'ai peur que le mec sur la top tour rouge ait la ligne maintenant. Cette ligne-là. Ici. Qu'il y ait une ligne qui soit créée par le mec qui soit ici. J'ai vraiment peur de ça. Donc du coup, la Mira est pas viable non plus à cet endroit-là. Il va prendre ma Mira. Erreur. Nope. Ouh. Nope. Ce vieux setup tout pourri. Volt. Il fait quoi? Ah, il a fait tout le tour, il aide son pote. Ça envoie vraiment des pruneaux. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais là toi? Moi je croyais que c'était un otage.